America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء تكون لعنة عليكم نبديك يا أقصى إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou, pour vous accompagner au micro. La Cour pénale internationale émet deux mandats d'arrêt internationaux contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la guerre, Yoav Gallant, récemment démis de ses fonctions pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Je peux confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, porte la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants, commis sur le territoire de l'État de Palestine à partir du 8 octobre 2023. La Cour a déclaré la première chambre préliminaire de la Cour pénale internationale rejette les appels présentés par Israël concernant la compétence et émet des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Le tribunal a ajouté dans un communiqué qu'il y a des raisons de croire que Netanyahou et Gallant ont supervisé les attaques contre la population civile, rajoutant qu'il existe des crimes de guerre attribués à Netanyahou et Gallant qui incluent l'utilisation de la famine comme arme de guerre, ainsi que des crimes contre l'humanité tels que le meurtre, la persécution et d'autres actes inhumains. Avec nous en ligne, M. William Chabas, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes spécialiste en droit pénal international et en droit de l'homme, professeur de droit international et de droit international humanitaire. Monsieur Chabas, comment réagissez-vous à cette information? Des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de Benjamin Netanyahou et Gallant. Comment réagissez-vous à cela? La Cour fonctionne, fait son devoir et respecte ses obligations. Maintenant, bien sûr, le défi sera de mettre en œuvre les mandats d'arrêt. Et ça, ça va dépendre sur Netanyahou et Gallant parce qu'ils vont devoir partir d'Israël et voyager afin de permettre la possibilité de leur arrestation, à moins qu'ils décident de se rendre volontairement à La Haye, ce qui est peu probable. Voilà. Est-ce que ces mandats d'arrêt obligent les États à les appliquer? J'entends par là, si Netanyahou et Gallant se déplacent dans un autre pays, est-ce que les États sont obligés de les remettre à la justice? Oui et non. Un État qui est membre de la Cour pénale internationale a une obligation juridique d'arrêter les deux, étant donné qu'il y a un mandat d'arrêt. Un État qui n'est pas membre de la Cour n'a pas cette obligation légale. Et donc, un État comme les États-Unis, qui n'est pas membre de la Cour, n'a aucune obligation juridique de passer à l'arrestation. C'est une obligation sur les États qui sont membres de la Cour, qui sont ce qu'on appelle des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et ces obligations, ces États ont une obligation juridique de respecter l'ordonnance, de respecter le mandat d'arrêt émis par la Cour. Tous les États européens, pour toute fin pratique, sont membres de la Cour. Le Canada est membre de la Cour, l'Australie, les États qui sont amis d'Israël sont membres de la Cour, avec l'exception, bien sûr, des États-Unis. Dans le cas où ces États n'appliquent pas les décisions de la Cour, ce serait complicité de génocide. C'est une violation du statut de Rome, c'est une violation de ses obligations internationales. Mais les États, enfin, il faut comprendre aussi que le mandat d'arrêt est un genre d'avertissement aux États de prendre au sérieux leur complicité avec Israël. C'est des États qui soutiennent Israël, qui vendent, qui envoient des armes,
qui donne un appui politique, juridique, moral et pratique à Israël et contribuer aux agissements, aux activités d'Israël maintenant, ça constitue une complicité dans les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime de génocide. Absolument. Donc, ces États vont se voir freinés dans leur soutien à Israël. D'après moi, il y aura une réflexion sérieuse de la part des États qui soutiennent Israël. Quant aux circonstances maintenant, ça devient de plus en plus difficile pour eux de soutenir, d'appuyer, etc. La plupart de ces États, d'ailleurs, sont favorables à l'idée de ce qu'on appelle la solution des deux États, de la création d'un État palestinien, ce qui est rejeté carrément par Israël. Mais la plupart de ses amis adoptent cette position quant à une solution à la crise, au problème du Moyen-Orient, de la Palestine. Mmh. Et d'après moi, l'émission du mandat va renforcer cette position et va affaiblir de plus en plus la position d'Israël. Monsieur William Chabas, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste en droit pénal international et en droit de l'homme. En 2014, vous êtes nommé à la tête d'un comité de l'ONU chargé d'enquêter sur le rôle d'Israël dans le conflit en 2014. Les mandats d'arrêt ont été classés secrets afin de protéger les témoins et de garantir la conduite des enquêtes. C'est ce qu'a déclaré la Cour. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Est-ce que il y a risque que ceci soit entravé? Non, d'après moi, c'est, je ne dirais pas que c'est normal, parce que souvent, les mandats d'arrêt sont publics, mais de plus en plus, la Cour a tendance de ne pas donner une publicité, sauf, enfin, le contenu général, on le sait. On sait la nature des accusations. Et c'est des accusations de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Ça a trait, par exemple, à la famine, à les entraves au soutien à l'aide humanitaire, etc. Le traitement en général du peuple palestinien est couvert par le crime contre l'humanité, de persécution. Mm-hmm. Tout ça est connu et n'est pas secret. Mais les détails, les endroits, les victimes, l'identité des victimes, tous ces renseignements doivent se trouver aussi dans le mandat d'arrêt. D'après moi, la Cour, ce n'est pas déraisonnable ce que la Cour a décidé de faire. Ça n'empêche pas les enquêtes, ça n'empêche pas l'exécution du mandat d'arrêt. Oui. Et c'est une pratique sage, à oui. mon avis. Il faut tout de même rajouter que la Cour considère, et là je cite le communiqué, qu'il est dans l'intérêt des victimes et de leurs familles qu'elles soient informées de l'existence des mandats. Monsieur William Chabas, Smotrich et le reste de la classe politique demande à ce que des mesures soient prises contre la Cour. Est-ce que ceci serait une forme de menace, selon vous? Bien sûr, c'est une forme de menace, parce que les mesures juridiques, les mesures légales qu'Israël peut entreprendre sont connues. Israël peut, par exemple, envoyer Netanyahou et Gallant à La Haye pour contester le mandat d'arrêt. Israël peut aussi intenter des poursuites contre ces deux-là devant ses tribunaux internes, ce qui ne va pas se passer. Absolument. Jamais de le faire. Oui. Il parle de quoi donc? Le Mossad, on sait que le Mossad et les agents des espions d'Israël ont déjà essayé d'attaquer la Cour. Ils vont continuer à le faire. C'est normal, on s'attend à ça, mais c'est illégal. Jusqu'à présent, ça n'a pas réussi. Ils ont fait des efforts depuis des années maintenant de créer des obstacles pour la Cour, et on voit maintenant où c'est rendu. C'est le premier ministre maintenant qui est accusé devant la Cour. Donc, d'après moi, si j'étais en Israël, je dirais qu'il faut changer la direction du Mossad, parce que c'est un échec total pour Israël sur ce plan-là. Monsieur William Chabas, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, Monsieur Chabas. Merci, au revoir. Au revoir.
Le mandat de l'actuel locataire de la Maison Blanche arrive à sa fin. Les semaines restantes s'égrènent. Un mandat fait de sang et de guerre, de politique à double standard, de couardises révélées, d'alliances malsaines, de listes de martyrs à ne plus en finir, d'une justice internationale qui impose ses mandats décrochés à l'arraché, en dépit de toutes les pressions exercées sur les procureurs et les défenseurs des droits humains. Une situation qui a ouvert la voie à une multitude de démissions. Josh Paul claque la porte du département d'État en octobre 2023 pour signifier son opposition au soutien de l'administration Biden à la guerre menée par l'entité. Josh Paul, responsable des transferts d'armes au bureau des affaires politico-militaires, pendant plus de 11 ans, annonce son départ dans une lettre de 2 pages dans laquelle il explique les raisons de sa démission. S'il y a plus de chances que l'utilisation des armes américaines va conduire à la violation des droits humains, je devais démissionner. Monsieur Josh Paul, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été le premier haut responsable américain à ne pas être d'accord ou à désavouer le soutien des États-Unis à l'opération militaire à Gaza. Aviez-vous deviné ce qui allait se passer, Monsieur Josh Paul? Oui, en effet, il était clair pour moi quelle serait la suite. J'ai démissionné le 18 octobre et à ce moment-là, il y avait déjà plus de 3500 personnes déjà tuées et presque toutes l'été par des armes américaines. Et donc, comme vous le savez, c'était déjà très clair et évident. Une violation flagrante des droits de l'homme, des atrocités commises contre le peuple palestinien. Quand j'ai tenté de soulever ces préoccupations au niveau du gouvernement américain, il n'y avait aucune volonté de débattre de la question, aucune volonté de suspendre les livraisons d'armes. Je pensais que c'était une conversation importante à avoir et que si elle ne pouvait pas être menée au niveau du gouvernement, elle devait être menée par le peuple. Et c'est pour cela que j'ai démissionné. And to bring it to them, I had to resign. Quel a été, Monsieur Josh Paul, votre sentiment lorsque vous avez réalisé que des armes américaines ont été utilisées par Israël pour tuer des enfants et des civils à Gaza? C'est un crève-cœur. Vous savez, je pense qu'il y avait un rôle important à jouer dans les aides et dans la sécurité. Il y a des relations de défense, mais personne ne se met au service d'un gouvernement. Je pense que cela a été le cas de tous mes collègues pour fournir des armes qui tueront des enfants. Et le fait que cela se soit produit, le fait que cela ait demeuré ainsi et qu'il n'y avait aucune disposition à faire cesser cette situation, cela avait un impact sur la réputation de l'Amérique, sur sa crédibilité. Et c'est pour cela que nous avons considéré que c'était un jour triste pour l'Amérique ainsi que pour les Palestiniens. Vous avez indiqué, et je vous cite, « Afin de défendre Israël, les USA se font du mal ». Qu'est-ce que cela signifie ? Je pense que les États-Unis se font du mal à bien des égards. Franchement, à travers leur soutien inconditionnel à Israël, l'une des façons dont ils se vantent sur la scène internationale, sur cette crédibilité, comment les États-Unis peuvent-ils défendre la justice, défendre le droit international et en même temps protéger Israël, quoi qu'ils le fassent. Et nous voyons des pays du monde entier qui veulent être des partenaires avec les États-Unis, voudraient construire des relations historiques fortes, sont détournées à cause de la complicité des États-Unis envers ce qui se passe et ce qui se déroule à Gaza. C'est donc un autre problème, car cela a un impact ici en Amérique. Nous parlons bien sûr de liberté d'expression, de liberté de réunion, mais nous avons vu des étudiants, des professeurs être renvoyés de leur poste à l'université et être attaqués par les forces de sécurité simplement parce qu'ils ont eu une voix forte par rapport à cette question. Et donc je pense que les États-Unis portent atteinte à leur position. Also, what happened in Gaza is
a war crime. Vous ajoutez aussi que ce qui se passe à Gaza est un crime de guerre. So there are an increasing number of American elected officials, members of Congress, senators. Il y a un nombre croissant de responsables d'élus américains, membres du Congrès, sénateurs, qui réclament en urgence un cessez-le-feu immédiat et permanent. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir dénoncer cela et qui parlent de crimes de guerre en privé et veulent utiliser cette terminologie. Ils reconnaissent que ce qui se passe là-bas est fait avec la facilitation des États-Unis. On facilite un génocide. Mais quand ils parlent en public de cette question, on va arrêter le financement de leur campagne. Ils vont être pourchassés. C'est pour cela que moi et un Palestinien américain qui s'appelle Tariq Habash, on a mis en place une nouvelle organisation qui s'appelle Pour une nouvelle politique, qui est destinée à prendre tout cet élan, cette énergie et parler de la vérité et que cela se fasse d'une manière à alimenter la politique américaine pour dire la vérité, sans avoir peur que des organisations comme AIPAC ou COFI fassent leur campagne contre ces élus. Campaigning against them. Mr. George Paul, the weapons delivered to date are of incredible power. Monsieur George Paul, les armes livrées à ce jour sont d'une puissance incroyable. Que pouvez-vous nous en dire? Yes, so America so far has delivered to Israel in the course of the last, I guess it's now 13 months. Oui, les États-Unis, jusqu'à présent, ont livré à Israël depuis plus de 13 mois des dizaines de milliers de munitions, dont des bombes de 900 kg qui peuvent chacune détruire des bâtiments entiers. Je pense que l'impact de cela est l'équivalent à 5 bombes nucléaires à Hiroshima, ce qui a été déversé sur Gaza. Donc les obligations ici sont extrêmement importantes et cela a été fait contre une population sans défense. Pensez-vous que la situation sera pire avec le président Trump? Je pense qu'avec la présidence Trump, et si on essaie de remédier à cela, elle n'apportera tout au moins aucun changement significatif. Je pense que là où nous sommes le plus préoccupés par cette nouvelle administration, c'est en termes de débat libre en Amérique, comme cela est le cas depuis plus d'un an, comme cela peut certainement être un peu pire. Si nous ne pouvons pas avoir de débat chez nous sur ces questions, il y aura encore moins de chances de changer de politique en même temps. Je pense qu'il y a des voix que le président Trump écoutera, tout d'abord la base du Parti républicain, et je pense qu'il y a un fossé qui sépare les républicains, les démocrates, ou tout l'establishment et le peuple américain, et je pense qu'il y aura beaucoup de républicains électeurs de base qui pensent que nous ne devrions pas fournir ces armes. Et je pense que le président Trump va continuer à écouter ses amis, ses partenaires au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Je pense que c'est très important pour que les dirigeants continuent à élever leur voix et de parler sur ce sujet. Ce sont des voix très importantes et nous devons les écouter. À un autre niveau, still armament, Joe Biden, le président Joe Biden, ended up. Sur un autre niveau, mais toujours au sujet de l'armement, le président Biden a fini par autoriser l'Ukraine à effectuer des frappes profondes en Russie avec des missiles balistiques fournis par les États-Unis. Qu'en pensez-vous? Well, I think the irony, of course, is that, you know, throughout the last few years. Je pense que l'ironie ici, c'est que ces dernières années, la position des États-Unis sur l'Ukraine a été, je le pense juste, que nous devrions aider les pays à se défendre contre l'invasion et l'occupation. Mais quand il s'agit d'Israël, nous aidons un pays à commettre une occupation. Et donc, je pense que c'est une hypocrisie qui m'a poussé à sortir de ce contraste. Comment voyez-vous l'avenir du monde? Nous parlons beaucoup d'armement. Et dans ce contexte, quel est l'avenir du monde? I think that the world is in for some very troubling times. Je pense que le monde traverse une période très troublée. Et vous savez, une partie de cela est bien sûr que chaque fois qu'il y a une transition entre un statu quo et un autre, il y a toujours un risque de destruction et de conflit. Je pense que nous assistons à la
conclusion de la période d'après-guerre froide, dans laquelle il y avait une hégémonie américaine, et je pense que Donald Trump va accélérer probablement les choses de plusieurs façons. Je pense que nous verrons un retour au contrôle ou une absence américaine, par exemple dans de nombreuses régions du monde où elle a joué un rôle en l'absence de cela. Je pense que nous verrons beaucoup plus de tensions régionales émerger. Il y aura plus et davantage de concurrence entre les pays comme la Russie, la Chine et j'espère l'Europe, même si l'Europe reste timide et silencieuse, incapable de s'organiser, mais je pense qu'il y aura plus de possibilités pour un chaos dans les années à venir. Russian President Vladimir Putin. Vladimir Poutine a déclaré que les possibilités d'utilisation des armes nucléaires s'élargissaient considérablement. What do you think about this? Que pensez-vous de cela? Est-ce que cela est juste une réaction? Je pense que l'utilisation de l'arme nucléaire par les puissances nucléaires est assez improbable, comme l'Amérique, la Russie, la Chine, cela reste assez improbable, mais le risque d'augmentation du conflit régional et des conflits régionaux va augmenter. Mr. Josh Paul, thank you for accepting our invitation. Thank you very much. Shukran, merci. Shukran, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci bien. Josh Paul était directeur des affaires publiques du Congrès au Bureau des affaires politico-militaires au département d'État américain de 2011 à octobre 2023. Josh Paul a démissionné de ses fonctions en 2023 et il était avec nous à partir de Washington. L'émissaire spécial du président américain Amos Hochstein poursuit ses entretiens à Beyrouth afin de parvenir à un cessez-le-feu. L'ambassadrice américaine à Beyrouth, Lisa Johnson, avait présenté jeudi dernier au premier ministre libanais Najib Mikrati et au chef du parlement Nabih Berri un plan de 13 points prévoyant une trêve de 60 jours. Tout cela au moment où, dans un paradoxe politique criard, les États-Unis opposaient leur vie tout à un cessez-le-feu à Gaza, applaudi des deux mains par le représentant de l'entité à New York. Je remercie les États-Unis d'avoir mis leur veto à la résolution du Conseil de sécurité qui appelait à un cessez-le-feu sans conditionnement. Nous poursuivrons notre combat jusqu'à ce que tous soient rentrés à la maison. De son côté, le chef du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, dans un discours, prévenait qu'Israël ne pouvait imposer ses conditions pour un cessez-le-feu dans la guerre au Liban. Avec nous en ligne à partir de Beyrouth, Monsieur Michel Moussa. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes député du groupe parlementaire de Nabih Berri. Nabih Berri, qui, rappelons-le, est président du Parlement libanais. Monsieur Michel Moussa, dans quel état d'avancement sont les pourparlers actuels à Beyrouth? Il faut attendre un peu quand même pour voir. Parce que finalement, du côté libanais, ils ont dit ce qu'ils veulent. Et puis, ils sont d'accord avec l'émissaire Hochstein, l'émissaire américain. Mais tout dépend maintenant de la part des Israéliens, s'ils acceptent vraiment l'accord de cessez-le-feu ou bien s'ils vont négocier ou bien s'ils vont aussi, comme d'habitude, continuer la guerre ou pas. Tout dépend du côté israélien. L'émissaire doit partir pour discuter avec eux, pour voir un peu la vraie intention pour cet accord. Monsieur Michel Moussa, à ce propos justement, Netanyahou avertit que les opérations, dira-t-il, militaires contre le Hezbollah vont se poursuivre, même en cas d'accord de cessez-le-feu au Liban. Comment réagissez-vous à cela? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une véritable volonté de cesser le feu ou est-ce seulement des manœuvres politiques? Tout dépend de cette volonté israélienne. En principe, quand on fait un accord, on arrête. S'ils sont d'accord pour les idées proposées, il faut qu'ils arrêtent. Mais avec les Israéliens, on ne sait jamais. Ils ont toujours des intentions cachées. Il faut attendre pour voir la vraie volonté des Israéliens, s'ils veulent vraiment arrêter ou cesser le feu. Parce que le plus important, et tout commence par un cessez-le-feu. Et puis le reste suivra sûrement selon l'accord, s'ils acceptent cet accord.
Depuis quelques jours, un plan de cessez-le-feu est en discussion. Les partis politiques, Monsieur Michel Moussa, y compris le Hezbollah, sont-ils associés à ces négociations, à ces discussions, à ces tractations? On peut utiliser une multitude de qualificatifs. Non, en principe, ce qui est tout à fait vrai, c'est que ils ont dit au président Nabi Barry qui négocie avec le président du Conseil du ministre, c'est eux qui discutent avec l'émissaire américain. Oui. Ils ont dit qu'ils sont d'accord tout à fait avec ce qu'il dit le président Barry, qui représente tous les côtés libanais, entre autres Hezbollah. Donc, en principe, ils participent, mais par l'intermédiaire du président Barry, bien sûr. Je rappelle à nos auditeurs, M. Michel Moussa, que vous êtes député du groupe parlementaire du président du Parlement libanais, Nabi Barry. M. Michel Moussa, quelles sont les conditions émises par le Liban? Quelles conditions émet le Liban pour qu'il y ait un cessez-le-feu? Tout simplement, le grand titre, c'est que le Liban est tout à fait d'accord pour bien appliquer l'accord 1701 des Nations Unies qui a été élaboré après la guerre de 2006 entre le Liban et les Israéliens. Le Liban, il veut que cet accord s'applique par tous ses partis. Cet accord dit comment faire en cas d'agression, comment faire pour cesser le feu, bien sûr, et la présence de l'armée libanaise à la frontière et le retirement des Israéliens des quelques kilomètres, des peu de kilomètres qu'ils ont pris pendant cette guerre. Et puis avec une commission qui pourrait, en cas d'effraction de cet accord, une commission qui pourrait regarder ces effractions et puis l'arrêter. Donc le Liban est tout à fait d'accord et il tient à cet accord de 1701. Monsieur Michel Moussa, à propos de cet accord, le plan américain, je le précise à nos auditeurs, contient 13 points, avec notamment le déploiement de l'armée libanaise dans le sud du pays. Est-ce qu'il a été question, comme cela se fait de façon, on va dire, plutôt récurrente, est-ce qu'il a été question du désarmement du Hezbollah? Puisque certaines parties politiques, aussi bien à Washington que dans d'autres capitales, évoquent ce paramètre. 1701, il parle de retirement de du Hezbollah, oui, jusqu'aux rivières Litani, à peu près à 8 kilomètres, à peu près, ou 10 kilomètres, entre 8 et 10 kilomètres, après le Litani. Mm-hmm. Donc, il parle de ça. Et puis, le reste, c'est une affaire libanaise qui pourrait se résoudre entre les Libanais, donc le gouvernement libanais. L'accord 1701 évoque notamment le retrait des forces du Hezbollah du sud du Liban, jusqu'au lac Litani. Cette présence serait remplacée par la présence de l'armée libanaise, avec également la présence des forces onusiennes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Ce sont des forces qui aujourd'hui sont prises pour cible. Alors que vaut cette condition? N'est-elle pas caduque? Non, non, c'est des observateurs pour voir un peu les effractions de l'accord. Et il faut dire que les Israéliens, c'est eux qui ont commencé l'effraction. Il y a eu plus que 30 000 effractions par la mer, la terre et l'aviation israélienne. C'est des observateurs pour dire qu'il y a effraction et puis la commission spéciale regardera de cette effraction. Leur présence est très importante quand même, malgré l'aviation israélienne sur eux. Malgré les bombardements israéliens sur le sud du Liban et le fait qu'ils les prennent pour cible. Exactement. Monsieur Michel Moussa, le président du Parlement libanais, Nabi Barry, a indiqué que Hochstein lui avait dit que les États-Unis coordonnent la proposition avec les Israéliens, a-t-il indiqué, et qu'il avait qualifié les réunions de très positives. Avez-vous cette impression, compte tenu de la recrudescence militaire de ces derniers jours? Du côté libanais, ils ont dit ce qu'ils veulent avec l'émissaire, ça va, il n'y a pas de problème. Ils ont mis les points de l'accord, le 13 points, comme vous l'avez mentionné. Mais, je répète, tout dépend de l'intention israélienne. Est-ce qu'ils veulent cesser le feu ou pas? Parce que dans le passé et dans l'histoire récente, les Israéliens, ils ont souvent retourné sur des accords. Et puis, tout le monde a vu ce qui s'est passé à New York. Et à propos de New York, Monsieur Michel Moussa, les États-Unis ont opposé leur veto ce mercredi 20 novembre à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un arrêt des combats dans l'enclave palestinienne. C'est la quatrième fois depuis le 7 octobre 2023. Le vide institutionnel ou la crise institutionnelle que traverse le Liban a-t-elle exacerbé les tensions, Monsieur Michel Moussa? A-t-elle fragilisé les équilibres? Non, disons que c'est important qu'on ait un président de la République. C'est très important, mais
Vous savez, chez nous, c'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'il y ait une présence au Parlement d'un certain nombre de présences, les deux tiers du Parlement. Et puis, l'élection du président doit passer par le tiers. Surtout que le Liban, il y a des différends très importants politiquement entre les Libanais. C'est la politique intérieure, je pense. Oui. Pas pour l'agression israélienne, pour les problèmes libanais. Il n'y a pas une majorité qualifiée pour élire le président jusqu'à maintenant, malgré les contacts qui se font entre les groupes parlementaires. Mais on espère que une fois qu'il y a une solution pour cette agression israélienne sur le Liban, les choses seront plus facile peut-être parce que il faut le faire avec force parce que on a besoin d'une unité nationale très importante à ce moment-là parce qu'il faut pas oublier qu'au Liban il y a beaucoup de dossiers à résoudre qui n'ont pas été résolus, par exemple les problèmes de finances du pays et la présence syrienne qui est très importante des déplacés syriens au Liban. Cette unité nationale pourrait quand même faire démarrer le travail des institutions du Liban comme il faut. Donc la présence du président de la République est très importante. Certaines parties appellent au retour des accords de Taïf. Qu'en pensez-vous, Monsieur Michel Moussa? Je suis sûr qu'il y a une unanimité sur l'accord de Taïf entre les Libanais, mais le problème c'est l'application de l'accord de Taïf, de tous ces points. Mais malheureusement, il y a beaucoup de points qui n'ont pas été appliqués jusqu'à maintenant. Notamment. Comme la commission pour passer du régime confessionnel pour un régime national, progressivement. Mais jusqu'à maintenant, cette commission qui doit regarder ce point n'a pas été faite parce qu'il n'y a pas un accord libanais sur ce point. Mais je pense qu'une fois qu'il y a un cessez-le-feu et l'élection du président de la République, il va y avoir forcément un nouveau conseil de ministres. Et puis après, je pense qu'il faut regarder de près tous les points de Taïf pour l'appliquer parce que globalement, tout le monde est d'accord pour l'accord de Taïf. On a intérêt à faire appliquer cet accord parce que finalement, il n'y a pas d'autre solution. C'est important, ça a été fait par l'accord des Libanais et tout le monde est attaché à cet accord. Plusieurs milliers de morts, 200 enfants notamment, et 1100 blessés, je parle du Liban. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui qu'il y a une normalisation de l'horreur, Monsieur Michel Moussa? C'est malheureux parce que finalement, on a l'impression que le monde extérieur n'est pas influencé par ce genre d'effraction flagrante des droits internationaux et surtout des droits humanitaires internationaux, l'accord de la Croix-Rouge internationale, l'accord des accords de Genève. Malheureusement, on ressent que le monde extérieur, surtout les Européens et les Américains et tout le monde, ils sont pas très touchés par ce qui se passe de manière grave et très grave. On espère qu'il y aura une autre vision pour l'application des droits internationaux parce que c'est très important. On peut pas rester dans cette politique dépassement de ces droits qui coûte très cher et puis qui est contre les principes et les valeurs que l'Occident en parle beaucoup. Le monde extérieur, disons-le brutalement, est entré dans les rangs. C'est ce qui s'est produit, hélas. C'est ça. Monsieur Michel Moussa, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député du groupe parlementaire du président du Parlement libanais, Nabih Berri, et vous êtes avec nous à partir de Beyrouth. Merci beaucoup, Monsieur Michel Moussa. Merci à vous. Merci. Les dirigeants du G20 ont exprimé leur soutien à un cessez-le-feu global à Gaza et au Liban. Lors de ce sommet, il a également été question de l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit d'améliorer la représentation des régions et des groupes sous-représentés et non représentés, était-il indiqué à partir de ce sommet de Rio. Il a également été question de la mise en place d'une alliance contre la faim et la pauvreté défendue par le président Lula. Nous avons fait du lancement d'une alliance mondiale contre la faim et la pauvreté l'objectif central de la présidence brésilienne du G20. Ce sera notre plus grand héritage. Avec nous en ligne, Monsieur Johann Schmassesses, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique. Monsieur Johann Schmassesses, que représentait ce sommet du G20? Le dernier rendez-vous, sans doute, du mandat du président Joe Biden pour les États-Unis, en l'occurrence, votre pays.
pour les États-Unis, on valorise beaucoup ce genre de conférence et le processus de se réunir périodiquement au sein du G20, le G7, des autres grands forums. C'est une opportunité pour que les leaders des plus grandes économies au monde de parler des grandes questions qui des grands défis auxquels le monde fait face actuellement. Ce sommet du G20 a réuni les leaders de pays qui représentent 80% du PIB international et aussi 2/3 de la population du monde. Alors, c'était vraiment un sommet très important. Dans quel sens était-il important, Monsieur Johann Schmanseses? Je dis, dans quel sens était-il important, et je rajoute ceci, pour l'administration actuelle de Joe Biden? Ce sommet vient de se conclure, bien sûr, mais on a achevé pas mal de choses positives. Par exemple, les États-Unis ont participé au lancement de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. Et ça, c'est une alliance qui vise à donner une dynamique durable à l'éradication de la pauvreté autour du monde. Et aussi, on a annoncé notre intention d'augmenter notre financement climatique international à la hauteur de 11 milliards de dollars. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent concerner certains pays endettés. Les États-Unis ont soutenu l'allègement de la dette, restructuration de la dette internationale, en particulier les pays qui souffrent de liens non transparents, opaques et non conformes aux normes internationales. Nous allons essayer de restructurer leur dette pour que ça soit plus soutenable. Mm-hmm. Et finalement, il y a des annonces sur la corruption aussi pour la lutte contre la corruption. Alors, c'était un agenda très ambitieux. Tous les pays ont montré le bon volonté. Bien, vous avez évoqué les pays du G20 qui représentent la majeure partie de la population mondiale. L'on peut citer l'Australie, le Canada, l'Union européenne, les États-Unis, l'Arabie saoudite, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Argentine, le Brésil, mais aussi le Mexique, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la République de Chine également, Monsieur Yuan Shimansi. Ce sont des pays qui aujourd'hui ont un impact certain sur le processus décisionnel politique. Est-ce qu'il y a en ce sens une forme de convergence de points de vue politique, Monsieur Schmanseses? Bon, la convergence, on est toujours en train de la chercher. Les pays du monde, les pays qui ont participé au sommet, ils se regroupent différemment autour du monde. Il y a bien sûr nos alliés de l'OTAN, il y a d'autres regroupements comme le BRICS, par exemple. Les États-Unis ne sont pas contre les choix de certains pays à choisir leur partenaire, leur allié. Oui. Pour nous, la grande priorité, c'est de vraiment insister à ce que les normes de la Charte de l'ONU, par exemple, soient respectées, point de vue intégrité territoriale et souveraineté des nations, etc. Alors, vous dites que les normes de la charte ou des chartes onusiennes soient respectées. Les dirigeants du G20 ont exprimé leur soutien à un cessez-le-feu global à Gaza et au Liban. Comment concevez-vous cela? Comment l'envisagez-vous? Je vous pose la question car il reste très peu de temps avant la fin du mandat du président Joe Biden. N'est-il pas trop tard pour en parler? Et n'est-ce pas refiler un dossier épineux à la prochaine administration? Bon, le dossier est déjà épineux et la menace pour la sûreté et pour la qualité de vie et pour les vies des civils au Moyen-Orient est vraiment un sujet qui nous est très inquiétant. Ah bon? Nous essayons d'exercer une diplomatie très active dans la région. Par exemple, il y a l'envoyé spécial américain qui est actuellement sur le sol au Liban pour chercher une solution, pour parler avec les différents partis au Liban pour essayer de les réunir autour d'une solution possible avec l'Israël, conforme à la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Et nous exerçons aussi de la diplomatie envers la situation à Gaza. Mm-hmm. Il y a un autre conflit très meurtrier que malheureusement le monde parfois oublie, et c'est le conflit au Soudan. Et il y a l'envoyé spécial américain, M. Perriello, qui est actuellement en Afrique pour essayer de bâtir du soutien, du support pour l'aide humanitaire et aussi pour trouver une solution au conflit au Soudan.
Monsieur Johann Schmassesseuse, il a également été question, lors du G20, il a été question d'un engagement inébranlable envers la vision de deux États, conformément au droit international et aux résolutions des Nations Unies. Comment l'envisagez-vous, sachant que tout a été fait pour saborder cette mesure? Nous essayons toujours de convaincre les parties à trouver une solution pour deux États. C'est toujours la position des États-Unis. Il a été également question de l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit d'améliorer, disaient les pays membres du G20, il s'agit d'améliorer la représentation des régions et des groupes sous-représentés ou encore non représentés. Comment l'administration actuelle américaine a-t-elle appuyé cette démarche lors de ce G20? L'élargissement du Conseil de sécurité des membres permanents, ça c'est quelque chose qu'on a essayé depuis 2 ans au moins à convaincre nos partenaires. Mais c'est difficile parce qu'il y a d'autres pays membres du Conseil de sécurité, il faut les convaincre aussi. Oui. Et il faut bien sûr trouver comment les différentes régions vont se représenter. Et où se situe, nous allons aller graduellement. Où se situe l'embûche? Où se situe l'entrave? Pourquoi est-ce que les pays que vous citiez à l'instant refusent d'abonder dans ce sens? En fait, ça, c'est un sujet qui est sous discussion au sein de l'ONU et même moi, je ne suis pas au courant de tous les détails, mais je crois que c'est une discussion assez sensible qui est active maintenant au sein de l'ONU. Il y a peut-être une question pour le veto, par exemple, oui. Droit de veto. Oui. Ça, c'est un sujet qui doit se discuter au sein de l'ONU. Bon, nos diplomates et les diplomates de nos partenaires sont toujours en train de parler. J'allais ajouter seulement que, par exemple, pour nous, une grande priorité, c'est l'inclusion de l'Afrique dans le Conseil de sécurité. Nous croyons qu'il est temps pour que l'Afrique soit représentée. Une difficulté, c'est trouver quelle entité, quelle organisation internationale va représenter l'Afrique. Et pourtant, l'Union africaine était présente lors des différentes rencontres du G20. Quand vous dites trouver quelle nation, quel organisme, qu'est-ce qu'il faut entendre par cela, Monsieur Johann Schmassesseuse? On est content que les Brésiliens, ils ont fait un très bon travail en organisant le sommet. Oui. On est content qu'ils ont invité plusieurs pays africains à participer, autres pays qui ne sont pas normalement au sommet du G20. Ça a rendu le processus plus intéressant, plus valable. Mais ouais, exactement. Est-ce que ça va être l'Union africaine qui représente le continent ou autre chose, autre arrangement? Ce sont des détails qui sont sous discussion maintenant au sein de l'ONU. Qu'est-ce qui arrangerait les États-Unis, que ce soit l'Union africaine ou un pays ou un groupe de pays particuliers? Qu'est-ce qui arrangerait l'administration états-unienne, Washington, à travers ces différentes administrations? La position qu'on a prise, nous, dans les discussions avec les autres pays et en public aussi, c'est qu'il faut que l'Afrique joue un rôle en décidant comment il va se représenter. On ne va rien faire sans que les Africains soient d'accord. Ça, c'est une chose. Oui. Autant que je suis conscient des détails, je ne crois pas qu'on a proposé quelque chose de spécifique. C'est seulement l'idée d'élargir la représentation. Vous avez évoqué en début de cet entretien, en parlant de l'élargissement du Conseil de sécurité, vous avez évoqué le droit de veto. Est-ce que les États-Unis seraient d'accord pour qu'un autre pays, en dehors des 5 pays qui aujourd'hui possèdent le droit de veto, adhèrent au Conseil de sécurité et que ce pays vienne du continent africain ou de l'Asie? Est-ce que cette reformulation du Conseil de sécurité arrangerait Washington? Je crois que vous entrez maintenant dans des détails assez spécifiques. Oui. Certainement le sujet des discussions maintenant à New York. Mais il y a une question pour le veto et c'est que les États-Unis veulent que le Conseil de sécurité soit plus efficace et capable de s'adresser aux problèmes autour du monde actuel. Et le veto, parfois, ça empêche que le Conseil de sécurité puisse arriver à une résolution ou bien à une décision décisive sur de nombreux conflits parce que, comme vous appréciez, les différents membres du Conseil de sécurité, ils ont leurs intérêts. Parfois, il y a des intérêts qui sont en conflit. J'ai bien compris. Vous nous dites tout cela, Monsieur Johann Schmassesseuse, mais vous ne répondez pas à ma question par ailleurs.
J'aurais compris que je rentre dans un détail et puis vous préférez peut-être y répondre ultérieurement, non? Point de vue de veto? Oui. Bon, je vous repose ma question. Je vais vous la reposer. Je vous disais tout à l'heure, seriez-vous d'accord pour qu'un pays autre que les pays membres du Conseil de sécurité adhère au Conseil de sécurité venant de l'Afrique et de l'Asie et qu'il soit un pays influent, c'est-à-dire avec un droit de veto? Seriez-vous d'accord? Les États-Unis sont-ils d'accord pour que cela soit? Toujours, je préfère ne pas répondre aux hypothèses, en particulier s'il s'agit d'un sujet qui est sous discussion avec les autres pays membres. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui comptent dans cette décision. Bien. Je vais rajouter cette dernière question, si vous me permettez, Monsieur Johann Schmincesseus. Il a aussi été question de sécurité, de dénucléarisation. Ce qui est plus important, c'est la stabilité et la confiance, bâtir la confiance entre les différents pays, pour qu'on soit confiant à ce que les autres pays ne représentent pas de menace à nos sécurités. Voilà. Et les autres pays aussi. Voilà, c'est de cela dont il était question. Les pays membres du G20, Monsieur Johann Schmincesseus, se sont engagés à faire progresser un monde exempt, c'est-à-dire sans armes nucléaires. Comment cela peut-il être envisageable quand on sait, par exemple, que dans le classement des plus grandes puissances militaires mondiales, en 2024, c'est un décompte récent, les États-Unis, votre pays, possède 5500 bombes nucléaires. La Russie, 6225 bombes nucléaires. La Chine, 350 000 bombes nucléaires. L'Inde, 156 000 bombes nucléaires. La Chine représente près de 15% des exportations mondiales d'armes. Comment ceci peut-il être concevable quand tous ces pays qui possèdent tout cet arsenal demandent ou appellent à un monde dénucléarisé? Pour une chose, les chiffres pour les États-Unis, la Russie, etc., nombre dans les milliers. Je ne suis pas au courant des chiffres tout à fait actuels. Je crois que c'est similaire aussi pour les Chinois, autres pays. Oui. Il est vrai que dans le sommet, il est mentionné notre engagement à poursuivre l'objectif à un monde qui ne possède plus d'armes nucléaires. Oui. C'est toujours un espoir. Oui. Mais il y a d'autres processus. Les processus de réduction d'armes sont plutôt poursuivis, dans le passé au moins. Ils ont été poursuivis au niveau bilatéral. Oui, absolument. Il y a eu SALT 1, SALT 2. Ouais. Il y a eu des rencontres bilatérales entre Washington et Moscou pour qu'il y ait une destruction des armes nucléaires. C'était en bonne voie. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui s'est passé dans le passé n'a pas empêché une progression de la militarisation nucléaire. Je vais vous poser la question directement, Monsieur Johann Schmincesseus. N'est-ce pas une utopie ou un discours utopique, les discours qui se tiennent dans ces sommets tels que le G20? Bon, moi, je distinguerai entre l'utopie et l'espoir et les idéaux. Oui. Parce que, ouais, ce sont des idéaux et des objectifs, des espoirs. Ouais, exactement. Vous m'avez trouvé une formule toute faite, Monsieur Johann Schmincesseus. Vous êtes porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique. Ça m'était un grand plaisir. Merci. Johann Schmincesseus, c'est porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique. Ont participé à ce programme William Chabas, spécialiste en droit pénal international et en droit de l'homme. Michel Moussa, député du groupe parlementaire de Nabih Berri, président du Parlement libanais. Josh Paul, responsable du bureau des affaires politico-militaires au département d'État américain de 2011 à 2023. Johann Schmincesseus, porte-parole du département d'État américain. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.